Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est l'heure du jeu. Préparation, concentration, respiration. Ça va aller. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien depuis le temps puisque c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber notre Google Home. Mais vous savez que j'étais sur un très gros salon, le salon Autonomique Paris 2018. Ça s'est passé cette semaine. Ça a duré 3 jours et j'ai dû m'absenter 5 jours. C'était très long et voilà, donc on revient. Je ne laisse pas du tout tomber le Google Home car le Google Home nous apporte tellement de choses qu'il faut toujours en parler, il faut montrer les nouvelles applications et cette vidéo est là pour vous montrer des nouvelles applications. Alors, depuis cette semaine, il y en a vraiment eu beaucoup. Alors, je vais faire cela en plusieurs vidéos, sinon une seule vidéo. Ça va peut-être être un peu trop long. Merci à vous de regarder cette vidéo comme d'habitude. Surtout, pensez à vous abonner pour continuer à m'encourager. On est 8000 abonnés, je vous remercie. 8000 abonnés, c'est vraiment ultra génial de votre part. C'est vraiment super. Et je tenais aussi dans cette vidéo à remercier tous les abonnés qui sont venus me voir sur ce salon, car c'était vraiment ultra génial. On a échangé, on s'est rencontrés, ça a été super. Merci à vous d'être venus me voir. Merci vraiment beaucoup. Allez, on rentre dans cette vidéo et on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec Eva Lexing. Très bien, je vous mets en relation avec Eva Lexing. Bonjour, je m'appelle Eva. Comment puis-je vous aider sur la protection des données ? Voulez-vous plus d'informations ? Oui. Très bien, vous pouvez me demander tout ce qui concerne le RGPD comme les définitions. Souhaitez-vous me poser une autre question ? Définition du RGPD ? Ils sont au nombre de 10, P1, fixer la protection des données au niveau le plus haut dans le monde. P2, approcher l'implémentation de la protection par la notion des risques vis-à-vis des personnes physiques, leurs droits et libertés fondamentaux. P3, responsabiliser les organismes qui détiennent des données personnelles. P4, élargir les droits des personnes tels que le droit à la portabilité ou le droit à l'oubli. P10, renforcer les sanctions financières. Voulez-vous une autre information ? Non. Nous avons été ravis de vous aider. Eva Lexing, je vous mettrai d'ailleurs tous les mots-clés dans la description depuis le début que l'on fait des vidéos ensemble. Tous les mots-clés parlés avec seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir des renseignements sur les nouveautés du RGPD. On continue. Une petite seconde, j'enfile mon habit de lumière. Voilà, c'est fait, c'est parti. On va parler donc avec une toute nouvelle petite application qui est vraiment géniale et qui va vous faire rire ici. Ça va être... Ok Google. Parler avec citation de film. Ok, je vous mets en contact avec citation de film. Bienvenue, demandez-moi des citations de film. Vous pouvez par exemple dire « dis-moi une citation » ou « écoutez une citation ». Écoutez une citation. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses, voulez-vous autre chose ? Une vodka martini, mélangée au shaker, pas à la cuillère. Puis-je faire quelque chose d'autre pour vous ? Stop. Voilà, donc vous allez pouvoir vous amuser à avoir des citations de films intéressantes. L'autre jour, en le faisant fonctionner, il m'a dit une citation. Est-ce que cette citation va vous dire quelque chose ? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. N'hésitez pas à aller vous amuser avec citations de films. Ça va vraiment être super génial. On avait une application qui s'appelait Opération Multiplication. Si on lui disait « parler avec Opération Multiplication ». Bien sûr. Voici Opération Multiplication. Bonjour, je suis votre entraîneur Opération Multiplication créée par la société Cinerware. Stop. Aujourd'hui, une nouvelle application du même genre vient d'apparaître et elle s'appelle Table de Multiplication. Ok, je vous mets en contact avec Table de Multiplication. Bonjour, c'est parti pour réviser tes tables de multiplication. 4 multiplié par 1. 4. Très bien, je savais que tu y arriverais. On continue. 6 multiplié par 2. 12. Stop. Voilà donc, parler avec table de multiplication. Si vous avez des enfants qui révisent leur table de multiplication, c'est une application que vous pouvez leur lancer
et ils peuvent s'entraîner pour l'année prochaine puisque l'école est bientôt finie. On continue donc la découverte des nouvelles applications. Il y en a beaucoup comme je vous ai dit, donc on va faire plusieurs vidéos, ne vous inquiétez pas, on continue. On va continuer avec une application. Alors sachez que toutes les applications que l'on se sert sur notre Google Home, on peut s'en servir aussi sur smartphone. Et celle-ci est intéressante puisque avec donc nos amis parisiens, on va pouvoir parler à l'application parler avec Voiture Libre. Très bien, je vous mets en relation avec Voiture Libre. Bonjour, je peux vous aider à trouver l'autolib la plus proche disponible. Pour cela, donnez-moi la rue, place ou boulevard où vous vous trouvez. Nation. Il y a 3 voitures disponibles à la station du 236 boulevard Voltaire. Voiture Libre, pour tous les Parisiens qui veulent savoir où se trouvent des véhicules disponibles, Autolib. Donc cette application va vous servir. Allez, il y en a pour tout le monde, on va parler maintenant musique. C'est maintenant que la musique commence. On va parler avec Joe et franchement cette application est vraiment cool car c'est pour les guitaristes et là vous allez vraiment apprécier les musiciens. On va dire à notre Google Home de parler avec Joe Solo. Ok, je vous mets en contact avec Joe Solo. 1, 2, 3, 4. Hello maestro. Tu as envie de te dégourdir les doigts en faisant un solo? Dis un style de musique, du rock, du blues, du reggae, du hip-hop, et je t'envoie un son. Bonne session à toi. Rock. Voici du rock and roll. Si vous voulez vous éclater, surtout n'hésitez pas à demander à votre Google de lancer Joe Solo. Et là, vous allez franchement vous éclater avec votre gratte et allez-y, amusez-vous, ça va être le top. Allez, on continue, c'est parti, c'est la fête. Allez, on passe un peu plus sérieux, on va parler donc Quiz Art. Très bien, je vous mets en relation avec Quiz Art. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer Quiz Art, c'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. De quel sculpteur Camille Claudel a-t-elle été l'élève? Constantin Brancusi, Auguste Rodin ou César? Auguste Rodin. Sans l'ombre d'un doute, c'est une bonne réponse et voici la question 2. Vrai ou faux? Van Gogh a-t-il peint La nuit orageuse? Super, trop facile, il a peint La nuit étoilée. On continue, que dites-vous? Quitté. Ok, voici votre score. 3 sur 5. Au revoir. Voilà donc Quizart. Je vous fais donc un petit bonus rapide. Je vais vous faire entendre lorsque Google Home chante la Marseillaise. Et je vais vous faire entendre lorsque Alexa chante la Marseillaise. Et vous allez voir que il y a une très grosse différence. D'ailleurs, je vous ferai différentes vidéos comparatives avec les avantages de Google Home et d'Alexa. Tout de suite, on demande à notre Google Home de chanter la Marseillaise. Chante la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 1500 impurs à breuve nos sillons. Voilà donc notre ami Google Home nous chantant la Marseillaise. On va passer tout de suite avec notre ami Alexa. Chante la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 1500 impurs
abreuve nos sillons. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Pensez donc à liker, à partager, à vous abonner, car beaucoup de vidéos de comparatifs avec nos deux assistants intelligents vont se faire. Beaucoup d'autres vidéos sur Google Home et ses nouvelles applications aussi. Et les vidéos sur Alexa d'Amazon aussi, puisqu'on a des skills, on a beaucoup de choses à faire. Je suis en train de la tester à fond et je vais vous faire une grosse vidéo à ce sujet. Merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous, ciao ciao.